Partir Lunéville, c'est le choc de ce quart de finale de Coupe de Lorraine. Deux formations au parcours bien différent, puisque Plantière évolue en promotion d'honneur et Lunéville en CFA 2. Nous sommes allés à la rencontre du club de Plantière. Retour en son et en image sur ce match de Coupe de Lorraine. On n'enlèvera pas le parcours. Et on l'a mérité, les gars. Capitaine. Donc on lâchera rien. Ok ? Allez, allez, les gars, allez, 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 les gars, hein. Des remplaçants ou quoi ? Le début du match est très rugueux, de nombreuses fautes sont commises de part et d'autre. À la 27e minute, l'arbitre va rapidement expulser les deux ailiers gauches ici au duel. Il s'agit de Bétache pour Plantière et de Desmouches pour Lunéville. À la pause, Humitant pauvre en occasion du but. Les 200 spectateurs venus assister au match y croient, tout comme l'entraîneur de Plantière, Richard Pagna. Écoutez, c'était dans les vestiaires pendant la causerie. Allez, péripéties, les gars. Voilà, c'est fait, c'est comme ça. Maintenant, c'est une raison de plus pour nous d'en mettre un tout petit peu plus pour aller gagner ce match. On l'a vu, les gars, sur la première mi-temps. Si on est en place, si on respecte ce qu'on a prévu d'être bien en place, nos deux lignes de 4 maintenant, et Johan devant, ils ne peuvent pas nous mettre en danger. La seconde mi-temps est similaire à la première. Les deux équipes se neutralisent et ne parviennent pas à trouver le chemin du but. En fin de match, Lunéville fait le siège dans la surface de Plantière et multiplie les incursions. Et sur un énième corner de Lunéville, le défenseur Xavier Béguin détourne la balle dans ses propres filets. La déception est alors énorme pour les locaux, notamment pour le buteur malheureux de Plantière, ici à Limoges, avec le numéro 4. Le banc des locaux ne parvient pas à contenir ses nerfs, et Monsieur Mort, l'arbitre de la rencontre, expulse deux nouveaux joueurs de Plantière. Il y aura donc eu au final plus de cartons rouges que de football. Mais pour rester sur une note plus optimiste, retenons ces images d'applaudissements qui accompagnent la rentrée définitive des joueurs au vestiaire.